intensité. Génial. Voilà, c'est le mot, c'est génial. Donc n'hésitez pas. Venez, regarde comme vous êtes bien, la caméra bouge pas. Voilà, donc vous pouvez télécharger bien sûr l'application si vous le souhaitez sur votre smartphone et vous allez pouvoir vivre, si jamais vous n'avez pas mis cet appareil, cette belle expérience. Il est bien placé puisqu'il est accompagné. Bordeaux est de nouveau ambitieuse
Bordeaux est en chantier et s'arme pour gagner. Aujourd'hui, Bordeaux attire, séduit et profite d'une dynamique irrésistible. Bien sûr, pour mener à terme ce projet, il fallait fédérer les puissances locales. Le président Alain Rousset, historiquement favorable à la construction d'un nouveau stade, s'est personnellement investi pour apporter le soutien de la région. Qu'il en soit remercié. Comme Vincent Feltès, alors président de la CUB, lui aussi a compris l'intérêt et la nécessité de ce nouveau stade. Il a su convaincre pour voter l'accompagnement de ce projet. À ce stade, il manquait un intervenant pour boucler le dossier. Sans hésitation, Nicolas de Taverneau, patron de M6 et propriétaire des Girondins de Bordeaux, prend la lourde décision de compléter le groupe de financeurs. Une fois encore, il demande son soutien, son attachement, son amour et son intérêt pour le club. Vient alors le choix de l'équipe chargée de la réalisation du programme. Le groupement retenu, Vinci Faya, va faire preuve de son efficacité. Le chantier sera conduit de main de maître pour être livré en temps voulu et en parfaite conformité. Vinci Faya pourra réaliser le construit de le stade conçu par deux architectes de renommée mondiale, messieurs Herzog et Demeron. Oui, vous pouvez les applaudir. Nous leur devons cette œuvre magnifique, déjà admirée de tous. Le stade, messieurs, que vous avez conçu est beau, aérien, accueillant, convivial. Et il faut le souligner, grâce à votre talent et à votre ingéniosité, il est un des moins chers récemment construits. Alors il nous reste maintenant à écrire l'histoire de ce stade. Soyons-en certains, nous connaîtrons ensemble, réunis par la même passion, des heures d'émotion et de gloire. Vous êtes ce soir 42 000. Parmi vous, une centaine de joueurs anciens du club des Girondins de Bordeaux. Ils nous ont fait le bonheur de nous accompagner. Ils ont porté avec honneur et talent les maillots de notre club. Pour écrire la première page de notre nouveau livre, nous accueillons Montpellier. Bienvenue à ses supporters. S'il vous plaît. J'ai dit bienvenue à ses supporters. Je vous aime, on ne vous changera pas. Bienvenue à Laurent Nicolas. Bienvenue à Roland Courbis, qui en son temps pour le club. Et maintenant, place au match. Bonne soirée à tous. Mesdames, messieurs, merci d'applaudir Jean-Luc Léon. Jean-Luc Léon.
Allez.
2 € la mi-temps, bonne deuxième mi-temps à tous. Ça commence à Bravo, allez. Oh, oh, oh.
pour ce nouveau match. C'est un bonheur à partager ensemble.